Nous sommes en janvier 2022 et il est 8h du matin. Les salariés de Colorado descendent du transport et s'apprêtent à rejoindre leur poste de travail. En file indienne et avec un rituel presque religieux, ils se désinfectent les chaussures et les mains, mettent chacun un masque, le tout en respectant une distance d'au moins 1 mètre et partent vers leur bureau pour entamer une nouvelle journée de travail. Au bureau, aux usines et aux magasins, même discipline infaillible. Distanciation, gel désinfectant et masque au visage. Des affiches partout sur la bonne conduite à avoir contre un ennemi invisible, la Covid-19. Une rupture aussi brusque que surprenante par rapport à des habitudes qui nous procuraient tant de plaisir et que nous prenions pour de l'acquis. Sur le plan personnel, cette crise nous a tous obligés à marquer un temps d'arrêt, prendre du recul par rapport à notre quotidien et à revoir nos priorités. Passer le temps de la stupéfaction et la peur de l'incertain les premiers mois, particulièrement pendant le confinement, chacun de nous a commencé à apporter un nouveau regard sur son quotidien, à revoir son mode de vie et à revoir ses priorités. Nous avons donné la parole à quelques personnes de Colorado pour s'exprimer par rapport à leur propre vécu de cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans déjà, et voilà leur témoignage. 2020 كانت واحد السنه اللي صعيبه ماشي غير المغاربه على العالم كامل وكنظن اللي كان اصعب اكثر هو الفتره ديال الحجر الصحي اللي ما كانتش سهله وكانت صعيبه علينا بزاف ولكن كنظن باللي هذه الفتره هذه علمتنا بزاف علمتنا اننا نعرفوا القيمه ديال بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش عندنا اولا اللي كانت عندنا وما كناش كنعرفوا بالقيمه ديالها اكثر il est clair qu'on est beaucoup plus reconnaissant pour toutes les choses qu'on prenait pour acquises notamment la famille l'emploi la stabilité qu'on peut avoir autour de nous dans notre vie et il est clair qu'on est devenu beaucoup plus compatissant parce que la crise a touché énormément de monde. Donc la direction générale a souhaité mettre en premier degré la sécurité et la santé des salariés. Nous étions obligés de mettre en stand-by plusieurs projets RH pour se focaliser que sur l'humain et que sur la sécurité de nos salariés, nos partenaires, etc. L'idée c'était éviter d'avoir des foyers en interne. Alhamdulillah, ça a donné ses fruits. Nous n'avons pas enregistré beaucoup de cas à Colorado. اللي من الحوايج اللي ربحنا مع الجائحة هو أننا دخلنا واحد البعد رقمي في التسيير ديالنا اليوم مقابلة العمل على سبيل المثال كتجرى عن بعد ما بقيناش كنحتاجوا أن المرشحين يجيوا عندنا للشركة باش يجريوا المقابلة ديال العمل ديالهم حتى فيما يخص التكوين المستمر اليوم الدورات التكوينية ممكن أنها تدار عن بعد دارت وغادي تدار من هنا للسنوات القادمة بفضل البعد الرقمي فكان عندنا الواجب الأساسي والتحدي الأكبر ديالنا هو كيفاش بالموازاة مع الحفاظ على صحة المستخدمين ديالنا والشركاء ديالنا والزبناء ديالنا أنه تكون استمرارية في العمل فهذا التحدي هذا ما كان سهل Pour conclure, je dirais que on n'est pas encore sorti de la crise. La crise est toujours là, la crise sanitaire est toujours là. Les incertitudes sont toujours là. Mais nous affrontons donc l'avenir avec beaucoup d'espoir et beaucoup de sérénité. Et je pense qu'on peut le faire ensemble et qu'on peut réussir ensemble. La crise sanitaire fait toujours parler d'elle et reste au cœur des débats et discussions. Aussi, les efforts de notre pays pour endiguer la pandémie et notamment l'avancée considérable de la campagne nationale de vaccination laissent espérer une sortie de crise avec le moins de dégâts humains possible. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce qui a été accompli par le Maroc durant cette crise. Toutefois, nous nous félicitons également des efforts entrepris chaque jour par Colorado pour préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et partenaires. Maintenir davantage la confiance, l'empathie et la solidarité au sein de l'entreprise et accueillir l'avenir avec plus d'agilité et de résilience dans une démarche proactive et efficace.